papa nanga ye na yembeli yo yo zambe yo yo tongola ka na tomboli yo yo zali zambe zala zambe ya libota nanga ye ngara tinga mina yo ngara tinga ye ngara tinga mina yo yesu ye papa na lola na tinga mina yo Gana tinga mie, gana tinga mina yo, Yesu e. Il y a pas de pitié pour les méchants. T'as comme on va louer les romains, mais va tout d'un côté. Il y a pas un endroit où tu l'as dans le monde et en bas. Elle a dans la moka, elle a dans ma village natal, elle a dans mon côté dans ma source, la famille paternelle, la famille maternelle, monte et en bas, aïe en bas monte. Yabisa Bango, Yabisa Bango, Kumba Bango, Kiti Sabango, Koti Sabango. Oh oh. Moto, moto na nzambe tumba, moto. Moto na nzambe tumba, moto, 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 tumba, tumba, tumba. Délivrance aujourd'hui la prière bien la prière souvent de lui de mon là ma maman va bien ma car n'a ma tata va bien ma car ma yébi s'il vous plaît bon mais ma biso yahweh la bibele yahweh santolama yahweh na boboto santolama yahweh yahweh la bibele yahweh santolama yahweh na boboto santolama. Oh Yahweh na bibele papa lokumu na yo boboto na yo Yahweh umeli seko Yahweh ya na bibele Yahweh santolama Yahweh na boboto santolama. Oh sala kilikolo na sena nguya na yo bandeke na banyama sena nguya na yo Yahweh ya na bibele Yahweh santolama Yahweh na boboto santolama. Akasi beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta maboko. Oh Yahweh na bibele Yahweh santolama. Yahweh na boboto santolama. Yahweh ya bibele Yahweh santolama. Yahweh na boboto santolama. Oh Yahweh na bibele papa lokumu na yo
Roboto na yo Yahweh, umeli seko Yahweh ya. Nabi vele Yahweh santo lama. Yahweh na boboto santo. Ya solo toko benga maseko banana tambe. Toko benga maseko banana. Oh ya solo toko benga malibela banama yata. Toko benga maseko banana tambe. Ya solo toko benga maseko banana tambe. Ya solo toko benga maseko banana tambe. Oh ya solo toko benga malibela banana tambe. Ya solo toko benga maseko banana tambe. Oh ya solo toko benga malibela banana tambe. Ya solo toko benga maseko banana tambe. Oh kolo Yesu yonde tambe nanguya. Kolo Yesu yonde tambe nanguya. Oh kolo Yesu yonde tambe nanguya. Kolo Yesu yoyo tambe nanguya. Oh, kolo Yesu yonde, zamba mayata. Kolo Yesu yonde, zambe na. Oh, kolo Yesu yonde, zambe na nguya. Kolo Yesu yonde, zambe na. Oh, kolo Yesu yonde, zambe na nguya. Kolo Yesu yonde, zambe na nguya. Kolo nanga Yesu Masiya e. Na kumi si kombo na yo Liboso Ya wanzambe na mikeko Pona bolingo na yo na gologota Ya ya Pona bolingo na yo na go Bana nzambe to embaye Nanga Yesu Masiya e Na kumi si kombo na yo Liboso Ya wanzambe na mikeko Pona bolingo na yo na gologota Ya ya Pona bolingo na yo na gologota Ya ya nabiso Yesu Masiya e Na kumisi kombo na yo e Liboso Ya wanzambe na mikeko Pona bolingo na yo na gologota Ya ya Pona bolingo na yo na go Bana nzambe to emba e Nanga Yesu Masiya e Na kumisi kombo na yo e Liboso Ya wanzambe na mikeko Pona bolingo na yo na golo Ah ya ya Pona bolingo na yo na golo Oh ya we nanga Elongeza liya yo Yokuma malelo yo Ah ya we nanga Elongeza liya yo Yokuma malelo yo Ah Yesu nanga elonga eza ya yo yakuma malelo yo ah hey, ya we nanga elonga eza liya yo yakuma malelo yo ah oh yakuma malelo yo dikola yebela yo yakuma Yesu e dikola yebela yo yakuma Yesu e Tikana yembela yo lele, Yesu e. Tikana yembela yo. Eli kera moto lobi moto kufa e. 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 Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth? J'aimerais que tu puisses te mettre à ta place debout, s'il te plaît. Si on peut se tenir debout. Si tu te tiens debout, ça va beaucoup m'aider, s'il vous plaît. J'aimerais pendant quelques instants, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu puisses me parler. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous, élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Tu es venu rendre un culte à Dieu. Et lors de ce culte, il est aussi important que tu puisses entendre l'ainsi dit l'Éternel. Afin que tu puisses être orienté, édifié, reboosté, consolé, enseigné. C'est pourquoi David est en train de dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mes sentiers. David va même plus loin en
mettant même l'importance de la parole et l'associant à la sanctification, il dit, je serre ta parole très fort contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Quand quelqu'un ne donne pas d'importance à la parole de Dieu, il est même facile pour lui de vivre dans la vie de péché. Mais celui qui impose et met importance à la parole de Dieu va savoir comment agir. La Bible me dit un jour, alors que Christ est bébé, la voix de l'Éternel vient jusqu'à Joseph et lui dit, prends la mère et l'enfant et fuis en Égypte. Parce que la parole de Dieu sait même t'orienter, sait te dire où aller, sait te dire quoi faire. Peut-être que tu es dans un impasse, tu te poses beaucoup de questions. Mais c'est cette parole qui va venir répondre à tes questions aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, que ta parole vienne jusqu'à moi. Je suis venu dans ta présence afin de pouvoir t'écouter aussi. Je suis venu dans ta présence afin d'entendre aussi ta voix. Afin que tu puisses me parler. Afin que tu puisses me parler. Est-ce que tu peux encore dire au Seigneur, Nazana posanayo kayo nabuto alelo. Yesu lobata likambo moro pona famille nanga, pona libota nanga, pona bandeko nanga, pona vie nanga. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? La Bible dit que ce centenier dit à Christ, tu n'as pas besoin de te déplacer, dis seulement un mot. Parce que lorsque la parole de Dieu est relâchée, tu avances avec lui. Tu avances avec lui, tu avances avec lui. Écoutez, Jean est en train de nous présenter Christ lui-même comme étant sa parole. La Bible dit au commencement était Dieu, était la parole, pardon, elle était avec Dieu et elle était Dieu. J'ai besoin que quelqu'un puisse parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu. Que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin que tu puisses me parler ce soir. J'ai besoin que tu puisses me parler ce soir. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Merci. Dieu des cieux, nous te disons merci pour ta présence. Notre prière est que non seulement tu puisses être là, mais que tu puisses également nous parler. Seigneur, nous voulons entendre le son de ta voix. Nous avons besoin que tu puisses nous orienter, nous montrer les voies à suivre au moyen de ta parole. Seigneur, je t'en supplie, parle-nous et glorifie Christ. Il y a des choses que nous n'avons pas connues dans la Bible, mais complète-la aujourd'hui. Car Christ, avant de partir, dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant, mais lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous dira toutes choses et il ne dira rien de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura reçu de moi. Seigneur, nous croyons qu'en ces temps, pour que ton esprit parle, il faut que ça passe par un serviteur. C'est pourquoi, Père très saint, nous recommandons ton serviteur entre tes saintes mains. Parle-nous au travers de lui. Ainsi, nous avons prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen. Amen. Salut ton voisin, dis à ton voisin, ce soir encore, tes ennemis ont échoué. Alors qu'ils croyaient que tu n'allais pas vivre, tu es encore avec nous. Tu es encore avec Dis à ton voisin, si tu avais pleuré ce matin, ne pleure plus, car la Bible dit qu'il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Dis à ton voisin, ne pleure plus. Ne pleure plus. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour celui qui vit. Il y a encore de l'espoir. Dis-lui, tes ennemis ont échoué. Tes ennemis vont échouer. Et ils n'ont pas fini d'échouer. Ils n'ont pas fini d'échouer. Parce que Yona Libota Nayobo Salanini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclame bien Dieu, acclame-le bien. Amen, quelqu'un? Amen. Alors nous allons passer au moment de la parole. Nous voulons ici recevoir un homme de Dieu que vous connaissez très bien, que nous connaissons très bien, je peux dire. C'est quelqu'un qui est de la maison. Hein? C'est quelqu'un qui est de la maison, il est avec nous souvent. Je lui disais, toi tu aimes beaucoup prêcher quand je ne suis pas là. Il faut que quand je sois là aussi que tu prêches. Mm-hmm. Amen, quelqu'un? Amen. Il est vrai qu'il prêche aussi quand je suis là. On avait fait une veillée ensemble ici. Mais ce soir, j'aimerais qu'il puisse être un canal de bénédiction pour nous. Dis à ton voisin, on est au deuxième jeudi. Dis-lui, on est au deuxième jeudi, on est au deuxième jeudi. Et la gloire de la deuxième maison sera...
Alors, je suis convaincu que ce soir, Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Aidez-moi ici à recevoir le jeune lion, le missionnaire, l'évangéliste, un coach. On acclame le Seigneur. Merci. Shalom à tous. Zambalola Pambola Bisou. Que le Dieu du ciel nous bénisse. Les chantiers peuvent rentrer pour gagner du temps. Les deuxième jeudi, les prophètes à l'obi. Les apôtres sont mis balés. Nous avions dit les grands thèmes, moi et ma famille, nous entrerons. Cela veut dire un défi. C'est un défi. C'est que quelqu'un est en train de dire. Parce que opposition mon parce qu'il y a une opposition. C'est pour cela que quelqu'un dit que moi et ma famille, nous entrerons. Amen. J'aimerais que nous fermions nos yeux. Merci pour Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous nous abandonnons entre tes sentiments. Laisse que ton nom soit vraiment élevé. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne en maître en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne domine en ce lieu. En Psaume, tu dis. Au sala et fan de l'union na likolo et que bokondinayo et konzaka likolo ne loko nyonso bokondinayo et ya si tout chacun de nous dans cette poète et konza penza likolo moko na moko ne esika par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur et sauveur o ya za mokondipe mobiki si ya mato beti maboko amen que le Dieu des cieux nous bénisse. Prenez ta Bible. Bongo tozotanga vexé moko et na suka to robaxa susu moko et nous allons lire un verset après à la fin nous allons encore ajouter un verset par rapport ya matière na biso par rapport à nous à notre prédication toza na mukanda na acte des apôtres chapitre 32 acte des apôtres chapitre 23 nous sommes dans le livre des actes des apôtres chapitre 23, versets 12 à 16. Les versets 12 à 16. Pourquoi qu'on continue un peu ce qui maman Yona de Koyotanga. Zala vraiment attentif et pesanga vraiment attention à yo pesala connecté la puissance de mon Saint. Soyez vraiment attentif et sois connecté avec la puissance du Saint-Esprit. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et ils firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarantaine. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs. Et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins, au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, transférer dossier pas na bino pour baya na ye pas na bino
comme si vous voulez vraiment sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Verset 16. Les fils de la sœur de Paul. Ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informant Paul. Parole du Seigneur. La personne qui a suivi avec intention cette parole sera bénie. Prenez place. Que le Dieu de ces prenne toute sa gloire qui nous a donné le souffle de vie. Je suis reconnaissant à notre père Jean-Paul Mayata pour la confiance renouvelée. Je dis chaque fois aux gens, si la personne te donne la confiance, toi il faut avoir la conscience. Beaucoup on leur a donné la confiance, mais eux, ils n'avaient pas la conscience. Que le Seigneur bénisse notre pasteur là où il est. Je suis aussi reconnaissant envers le prophète Chavini pour la confiance. Vous savez, la chair, c'est vraiment cher. On ne le donne pas à n'importe qui. Parce que tu peux aussi détruire le vie humaine à travers cette chair. Le prophète Chavini, il est vraiment trop jeune. Il peut aussi avoir le sentiment de rester dans la chair chaque fois. Mais il donne l'opportunité à tout le monde, à travers tous les serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment rare, ça ne se passe pas vraiment chez les gens. Et donc quand on était à l'école, si on met un bidel de l'école, il voit, on dirait que c'est lui le président de la République. Merci pour le pasteur Guy. Merci à tous les collègues des serviteurs de Dieu. Merci à papa Jean-Robert. Merci au papa Jean-Robert. Merci. Et merci pour toi qui es présent ici dans la salle. Merci aussi à Maman Yolande qui interprète. Que Dieu des cieux nous bénisse. Avec les grands thèmes que nous sommes entrés d'apprendre, moi et ma famille nous entrerons. Il m'a plu qu'on puisse partager un sous-thème intitulé les complots. Complot est ça nini. Qu'est-ce que le complot? Dictionnaire le Bézali, projet concerté sincèrement afin de nuire. Le complot, le dictionnaire nous dit que Ezali est loko moko batuba sangisi pona ko baby sabande komisusu. Projet moko o batuba yokani. C'est un projet que les gens se sont consécutés en cachette pour détruire la vie de quelqu'un. Voilà la raison pour laquelle c'est pour cela aussi, nous aussi, nous avons dit que nous et nos familles, nous allons entrer. Ce qui complot exalté. S'il n'y a pas de complot, nous ne pouvons pas dire que moi et ma famille nous entrerons. Si quelqu'un dit que si moi et ma famille nous entrerons, c'est que la personne est en train de comprendre. Donc là où je suis, peut-être il devait y avoir des choses qui pourraient m'empêcher d'entrer. Nous avons besoin tous comme on est là de vivre une vie paisible. Non, une vie pénible. Mais Mais l'ennemi Satan fait en sorte en précipitation pour que nous ne puissions pas vivre une vie paisible. Et si nous voyons l'histoire de l'apôtre Paul, Paul,
un des apôtres de Jésus-Christ de Nazareth par la volonté de Dieu. Un jour, on l'avait arrêté. Ce n'est pas parce qu'il avait voulu. Non, pas parce qu'il avait pris la femme d'autrui. On l'avait arrêté parce qu'il prêchait la bonne nouvelle. Et les gens n'étaient pas du tout contents parce que Paul prêchait la parole. Et les gens qui avaient arrêté Paul, c'était les souverains sacrificateurs. Les gens qui arrêtaient Paul, c'est les gens qui connaissaient bien la parole. Et ils ont arrêté Paul pour qu'on le mette en prison et après il va passer pour qu'on puisse les juger. Paul en prison. Et il y avait des gens qui se sont concertés, ils étaient en nombre plus de 40. Pour chercher à faire du mal à Paul. Bien aimé, tu es assis, tu es là, tu ne sais pas qui est en train de comploter contre toi. Tu ne sais pas qui cherche à te faire du mal. Le complot, ce n'est pas nécessairement pour te tuer. On peut faire aussi un complot pour te déstabiliser. On peut faire aussi un complot pour te faire écarter dans les choses de Dieu. Paul ne savait rien. La personne qui est déjà en prison, la personne qui est en train de juger, mais il y a d'autres personnes à l'écart qui n'étaient pas contents de le voir. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas contents de te voir. Et quand tu passes, ils ne sont pas contents. Et quand toi tu es dans la joie, et ils ne sont pas contents. Et quand toi tu vis bien, et ils ne sont pas contents. Et quand tu pars à la maternité, et ils ne sont pas contents. Et ils disent que ils vont te faire punir. Ils se disent qu'ils vont te tuer. Paul en prison, il ne connaissait rien. Mais il y a des gens qui se sont concertés. Ils ne se sont pas concertés seulement. Ils ont fait des sacrifices que Paul ne connaissait pas. La personne qui te combat, il fait des sacrifices que toi tu ne connais pas. Mais toi tu es vraiment distrait. Je dis souvent aux enfants de Dieu, si je peux dévoiler un de mes secrets, je fais des sacrifices et des offrandes à chaque fois. Chaque chose que je me refais, je pose l'acte de foi en donnant des offrandes. Même comme vous me voyez, je pose des actes pour donner des offrandes même de loin. Parce que parce que je connais le rôle des sacrifices. Il est tellement expansif. Ces agents-là, ils ont gêné. Nous n'allons pas manger ni boire jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Il y a beaucoup de gens qui se fait des moyens pour déstabiliser ta vie. Pasteur dit, il y a beaucoup de gens qui se concentrent pour déstabiliser ton ministère. Et ils font leur complot. Ils cherchent comment atteindre cette personne. Je suis venu dire à un enfant de CFC et tous les enfants de notre Père, pardonne-moi. Toutes les personnes qui font des complots pour détruire ta vie, cela n'aura pas fait, cela ne va pas se faire. Si Dieu n'a pas donné encore l'ordre que tu meurs, même s'il se rassemble 10 000, tu ne mourras pas. Cela ne va pas se faire. Vous savez, en Psaume 118, le verset 17, David dit ceci. Non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. En grosso modo, David voulait dire ceci. La mort qui vient de la main de Jean, cela ne va pas me toucher. Si les sorciers de ta famille, ils ont fait le complot pour que tu meurs, je me tiens étant serviteur de Dieu et je déclare, la mort n'a pas d'effet sur ta vie. La mort qui vient de Jean n'a pas d'effet. Quelle que soit l'autorité
l'autorité suprême de l'homme fort de ta famille, l'homme fort qui se tient dans ta famille, l'homme fort qui donne des instructions, l'homme femme qui donne des ordres. Je suis venu lui dire tu n'es rien devant Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et je déclare. Si on t'a mis des gens dans la liste de la mort, je déclare que la vie entre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retourne là où j'étais. Un jour, on a arrêté Pierre en prison. Pierre avait peur. Parce qu'on avait déjà coupé la tête de Jacques. Comme il s'est appelé à Hérode. Pierre commençait à voir comment on avait coupé la tête de Jacques. Il se disait, moi aussi, on va me couper la tête. Et surtout, sa situation était plus que de Jacques. Il avait des gardes-corps partout. Pierre avait peur. Mais Pierre avait oublié une chose. Un jour, Jésus-Christ lui a dit, Osa Pierre, Osa Pierre, Nalikolo na yo, Nakotonga lingomba, El fungola ya nini, ça n'aura pas d'effet contre toi. La personne qui a la promesse de Dieu, même si les sorciers de sa famille se rassemblent, comme Dieu, Jésus-Christ avait dit, tu ne mourras pas maintenant, même si on est un sorcelle, même s'il parle, la mort est nulle sans effet. Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont formé des complots. Ils ont dit nous n'allons manger ni boire. Mais toi, la vie des sacrifices est vraiment moins. D'autres, hein. Ils peuvent dire aussi en chantant. C'est comme des, ça devient une habitude. Moi et ma famille nous entrerons. Mais il y a eu la mort dans ta famille. Moi et ma famille nous entrerons. Et toi-même tu trouves la mort. Pourquoi? Parce que c'est parce que nous ne connaissons pas le sens des sacrifices. Vous savez, nous, les enfants de Dieu, nous sommes vraiment des fainéants. Les gens du ténèbre, ils savent que si je fais un sacrifice ou une offrande, et le pouvoir va s'augmenter en moi. Ils ont vraiment des disciplines que toi et moi, nous n'en avons pas. Moi, si tu m'appelles, j'ai un problème. Et tu me laisses la charge de prier pour toi. De la même façon que tu as coupé ton téléphone, moi aussi je vais oublier. Je ne suis pas hypocrite. Si tu veux, viens, on va prier ensemble, nous deux. Et toi, tu fouilles les sacrifices et toi, tu m'appelles de prier pour toi. Les gens du ténèbre, s'il faut faire un mois de ne plus se doucher pour qu'ils puissent avoir la victoire de ce qu'ils cherchent, il va le faire. Si on met juste le programme de jeûne, et Papa Guy aussi va comprendre que nous aussi on travaille, et le travail de l'Europe aussi c'est difficile, hein. Mais la personne a besoin de la grandeur. Moi et ma famille, nous entrerons. Ça restera qu'un slogan. Il y aura la mort. Maintenant, c'est Dieu qui est menteur ou comment? Les gens voulaient tuer Paul. Ils étaient plus de 40. Ils ont refusé de manger ni de boire. Jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. S'ils faisaient aussi un mois, ils feront aussi le jeûne de un mois. Et même si c'est 5 mois sans rien manger. Ils ont pris une décision difficile. Pour tuer juste une personne. Plus de 40 personnes. Ils étaient plus de 40. Juste pour une personne. Ces gens-là n'ont pas juste vu Paul. Ils ont vu derrière Paul. Parce que comme je suis là debout, derrière moi il y a les gens.
Il y a mes enfants. Il y a aussi d'autres qui reçoivent des miracles à travers la parole prêchée. D'autres aussi par un 100 francs que je puisse leur envoyer. Mais c'est-à-dire, s'ils me touchent, ils peuvent aussi toucher les restes. Vous savez, s'il y a l'esprit des morts dans la famille, on peut toucher la personne que tu aimes beaucoup. Le cible, peut-être, c'est moi. Mais ils savent que s'ils touchent ma mère, parce que ça va me toucher directement. C'est pour cela que vous voyez d'autres gens, ils disent que la personne est morte parce que c'est parce qu'il avait aimé sa femme, il n'a pas pu supporter. C'est pour cela lui aussi il est mort. Or c'est pas la femme qui était la cible. Ils ont ciblé l'homme. Ils ont dit qu'on va d'abord arracher ce qu'il aime et après il y aura la mort derrière. Maintenant, si toi tu es leader de ta famille, fais très attention. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, si vraiment tu es distrait, tu donneras l'accès à l'ennemi d'entrée. Ce n'est pas pour rien que tu es le fils ou la fille dans cette maison, dans le service de Dieu. Tout serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur dans sa famille qui représente Jésus-Christ dans sa famille. Maintenant, si tu es dans la distraction, tu vas faire entrer l'ennemi. Tu verras que dans tous les ambassadeurs dans tous les pays, s'il y a un problème qui touche la communauté congolaise, il y aura les gens qui iront dans l'ambassade pour interpeller l'ambassadeur d'aller intervenir. Parce que l'ambassade de Congo ici en France, c'est Congo. Tu peux tabasser un Français et tu fouilles dans notre ambassade. Tu peux être recherché et tu fouilles dans l'ambassade, tu es protégé. Et toi et moi aussi, le Seigneur nous a relevés dans nos familles comme des ambassadeurs. Cela veut dire que nos prières protègent toutes les personnes qui sont derrière nous. Voilà la raison pour laquelle. C'est pour cela. Un jour Paul dit, crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé toi et ta famille. Parce que tu es un ambassadeur. Mais tu ne sais pas faire un sacrifice. Oh, la personne qui vous combat, il fait des sacrifices. Tu as beaucoup mangé, tu peux aussi jeûner même seulement un jour. La nourriture ne va pas fuir. Moi et ma famille nous entrerons. Vous pouvez entrer aussi dans la maladie, avec la maladie. Moi et ma famille nous entrerons. Vous entrez aussi avec beaucoup de problèmes. Moi et ma famille nous entrerons. Vous entrez aussi avec des situations difficiles. Nous avons besoin. Quand nous entrons dans une année nouvelle et que nous entrons aussi avec des choses nouvelles et ceux qui avaient le problème de concevoir qu'ils puissent concevoir et ceux qui avaient le problème des papiers qu'ils puissent recevoir les papiers, ceux qui avaient le problème de travail qu'ils aient le travail et ceux qui étaient célibataires qu'ils puissent se marier. Mais on va voir que les gens ils ne savent pas qu'est-ce que je peux faire pour bien entrer. Ne compte pas souvent pour ta beauté. Ta beauté peut te trahir. Elle était belle, hein? Et regarde la photo ancienne et celle de maintenant. Ça ne ressemble pas. Papa paye. Il n'y a pas aussi des maris. Faux de teint. Make-up.
Tu peux faire quoi que ce soit. Mais papa. Mais il n'y a pas de papa. Maintenant, tu as beaucoup fait. Beaucoup t'es maquillé. Maintenant, ça demande la prière. Mais c'est pas parce que je suis entré dans une nouvelle année et tu entres la même personne. De pas venir laisser quelqu'un sur la terre des hommes. Et pendant que les autres font beaucoup de choses. Moi et ma famille nous entrerons. Et il est convenu à nous que nous puissions entrer avec des choses de valeur. Et ça te plaît quand tu cries bonne année que tu es entré dans une nouvelle année. Tu entres. 43 ans. Tu as 43 ans. Ici en Europe, tous, on n'a que 35 ans. Mbote. Bonjour les enfants de 35 ans. Tu entres. Tu rentres aussi dans le calendrier une année de plus. On est fatigué de chanter tout le temps Happy Birthday to you. On souffle le gâteau. Rien de changement. Il n'y a pas un travail stable. Je me suis dit cette année, le jour de mon anniversaire, je ne mettrai ni photo. À des fois, je vais fermer tous mes portables. Parce que c'est une année nouvelle pour moi. Le jour de ton anniversaire, c'est une année nouvelle pour toi. Je suis fatigué de souffler les gâteaux. Et toi aussi, tu as beaucoup soufflé les gâteaux. Papa. Il n'y a pas de papa. Paul ne savait pas. Il y avait des gens qui ont pris la décision de ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils vont le tuer. Bien-aimé, ils forment des complots contre ta vie. Ils forment des complots pour t'empêcher d'entrer. Ils t'empêchent de ne plus progresser. La Bible nous dit, quand ces gens se complotaient, ils ont dit aux gens qui passaient Paul en tribunal, nous avons l'idée que nous sommes concertés de ne rien manger ni boire jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Mais toi, aide-nous. Fais en sorte que tu as transféré son dossier et quand on va le faire sortir pour venir au tribunal et nous allons le tuer directement. Je suis venu te dire, cette prière soit pour toi. Un jour Moïse dit à Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, là où tu n'es pas, ne permets pas que nous y allons. Je suis venu dire à quelqu'un, partout on forme des complots contre ta vie, que le Seigneur t'empêche de ne pas y aller. Même s'ils ont dit qu'il y a une coopération de bons, que le Seigneur puisse t'amener la lourdeur. Dans le day où on complote contre toi, ne pars pas. Dans une fête où il n'y a pas Dieu, ne pars pas. Moïse a dit à Dieu, ne nous laisse pas partir si toi tu ne marches pas avec nous. C'est une prière que moi je fais chaque fois. J'ai dit chaque fois à Dieu, là où tu n'es pas, je n'y aille pas. Là où tu n'es pas, je n'y pars. Là où on forme des complots, là où on met des pièges, que je ne pars pas là-bas. Mais quel que soit ce que je peux prendre là-bas, que je ne puisse pas partir. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, toute chance n'est pas chance. Quand Paul viendra, nous allons le tuer.
J'ai pris le Dieu des cieux. J'ai pris Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il amène un esprit de révélation dans ta vie. Qu'il puisse te révéler les choses que tu ne connais pas. Là où ils sont sentés de se confronter dans le noir. Que le Seigneur puisse te révéler. Là où on attend pour te faire du mal. Que Dieu t'empêche. Si tu roules avec une voiture. Ce jour-là, que tu puisses avoir un panne brisque pour que l'air puisse passer. Si tu utilises les transports en commun, que tu puisses avoir la perturbation de train pour que tu ne puisses pas arriver là-bas. J'ai pris Jésus-Christ de Nazareth qu'il puisse te parler là où on t'attend pour te faire du mal. Parce que toi et ta famille, nous devons tard. Amen. Paul ne savait rien. Or, il y avait des gens qui ont comploté. La Bible dit, le neveu de Paul était là. Je me suis posé des questions, pasteur Guy Papa. Comment se fait-il que le neveu de Paul était là? Je t'ai dit, c'est que les gens forment dans le ténèbre. Jésus-Christ de Nazareth est là pour te révéler. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu qu'il soit ton meilleur ami, qu'il te révèle les choses cachées. Et les yeux humains ne puissent pas voir que le Saint-Esprit, la Bible me dit, Deutéronome 28, verset 28, la Bible dit ceci, les choses cachées, c'est pour le Dieu des cieux, ce qui est révélé, et pour nous, ses enfants, tout ce qui est caché dans ta famille, ce qui est à Dieu est à Dieu. Mais ce qui est à toi, que le Dieu puisse te révéler la liste de ceux qui cherchent à te faire du mal. Les choses cachées de ta famille. Que le Seigneur te révèle la sorcellerie de ta famille. Parce que tu es Paul. Aussi longtemps que ta mission n'est pas encore achevée, personne ne va t'ôter la vie. S'ils ont mis l'esprit de mort dans la famille, ce soir, je me tiens étant un serviteur de Dieu. Et je mets la vie. Je mets la vie. J'introduis la vie. Je mets la vie. Que ce soit ici la personne qui croit. Je ne prêche pas n'importe qui. Je prêche les gens qui croient. Celui qui croit, que ça se passe ainsi. Je ne suis qu'un simple instrument. J'ai amené la parole de Dieu pour dire l'esprit des morts dans ta famille, dans ta maison. Il n'y aura pas de fait. Quel que soit, ils ont mis le poison. Quel que soit, ils ont mis des pièges. Cela ne va pas t'attraper. Parce que la Bible me dit, les pièges qu'on met pour nous, tout ce qu'ils ont creusé, et même ils vont s'entrer dedans. Qui a trouvé le trou pour toi? Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, que même si c'est ta tante, même si c'est ton cousin, même si c'est ton même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, lui-même il va entrer dans ce trou. Parce que toi et ta famille, vous entrerez. Dis, je suis Paul. Dis, je suis Paul. Aussi longtemps ma mission n'est pas encore atteinte. Quel que soit vous formez des complots, je ne mourrai pas. Même si vous formez des complots, je ne mourrai pas. Même si vous formez des complots, je ne mourrai pas. Le neveu de Paul a entendu. J'ai pris que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. J'ai pris que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. J'ai pris que tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Que tu entends ce que les gens complotent. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. La grâce de Dieu est ici. Amen. Dans cette rangée, bon, merci. Bata rangée, vous êtes très concentré.
La rangée du milieu, soyez vraiment concentrés. J'ai pas dit que les autres non, mais je m'adresse aux rangées du milieu parce qu'il y a un message qui concerne cette rangée. Il y a une personne dans cette rangée. Parce qu'il y a le fétiche familial. Il y a une personne dans ce rangée qui réclame les sangs. Maintenant, la prière que tu vas faire cet après-midi, c'est ça qui va aider quelqu'un, qui va sauver. Le neveu de Paul a entendu. Il est descendu directement en prison là où il était son oncle. Il dit, oncle, ils forment des complots contre toi. Quand ils vont aller te juger, comme ça on va te tuer. Paul dit à son neveu, va dire aux gens qu'il y a un complot contre moi. La Bible dit, le neveu de Paul, il est monté, il est parti faire accuser tous les gens qui ont comploté pour chercher à tuer Paul. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 15, la Bible dit ceci. Si l'on forme des complots contre toi, ça ne vient pas de Dieu. Et toute personne qui se liguera contre toi tombera sous son propre pouvoir. L'enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth étant Seigneur et Sauveur, il a Jésus-Christ en lui. 1 Jean chapitre 4. Dans 1 Jean 4, 4, la Bible nous dit, vous les petits enfants, bino banamike, vous êtes de Dieu, boza banzambe, vous avez vaincu car c'est lui qui est en vous. Bozo bika parce que oyaza kati na bino. Soki bako longa ngai na yote. Si on ne va pas nous vaincre, toi et moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en nous. C'est quelqu'un qui est en toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Comme on a Yesu Masi à Nazareth. Mibou 33. Il a la toute possibilité. J'ai pris comme leur projet. Ça ne vient pas de Dieu. Quel que soit ce qu'ils sont en train de faire dans la soirée, quel que soit ils font dans des incantations pour te sorceller, qu'ils le veuillent oui ou non, leur projet est ça ne va pas te tuer. La Bible dit, toutes les langues qui se lèvera en justice sera condamné. Fais cet exercice, fais-le par la foi, sera condamné. Qui a le pouvoir? Les sorciers de ta famille n'en ont pas. Non, ce qui ça. Je m'arrête ici. Un jour, je fais un voyage missionnaire au Congo central, à Kikonka. Non, pardon. Là, c'était à Kasangoulou. J'ai prêché dans un séminaire. J'ai donné un sujet. Prions pour que le feu de Dieu environne cet endroit qui aura ni entrée ni sortie. Nous avons prié. Le matin, je vois un enfant de 12 ans. Le pasteur est venu m'appeler. Le jeune lion. Viens dehors, quelqu'un veut te voir. Je sors dehors. Cet enfant, cet adolescent commence à me dire, oh papa Kossi, je voulais abandonner la sorcellerie. Je lui ai dit, non, tu ne vas pas abandonner. Tu mens. Je lui ai dit, mais hier tu étais dans le culte. Il m'a dit, oui, effectivement, nous étions là parce qu'on avait un complot de tuer un enfant. Et maintenant, toi, tu as donné des sujets qui n'ont ni entrée ni sortie. Et c'est ça qui nous a énervés. Et on a fait le complot de te tuer, toi.
Et son frère a dit, mais comment tu peux dire une chose comme ça facilement? Et comme quand nous prêchons et nous entrons dans des rangées, et j'entrais aussi comme ça, quand j'avançais, et après un moment j'ai reculé. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand tu rentrais dans le rangé, nous voulons te faire du mal pour que tu meurs. Et après, on n'a pas compris, il y avait une main qui te faisait reculer. J'ouvre parenthèse et après je vais fermer. Prions pour les hommes de Dieu. Vous croyez que quand je prêche comme ça, beaucoup, ça leur plaît? D'autres aussi qui sont là, il peut dire qu'il dit la vérité. Si c'est un sorcier gentil, est-ce qu'il y a un gentil sorcier ici qui lève la main? C'est que c'est pas un bon travail. Hein. Regarde le complot fait pour tuer. Comme on a beaucoup fait ce genre de missions et on en a eu assez d'envois, à 2020, je suis allé à Kikonka, au Bas-Congo. J'étais sérieusement malade. Le Saint-Esprit m'interdit de ne pas boire les médicaments ni de prendre un traitement. Un jour, on priait, il y avait une forte pluie. Et il y a un bien-aimé qui est venu nous dire que il y a d'autres pluies, c'est pas des pluies réelles. Je regarde la personne. Je lui ai dit, mon frère, tu m'as vraiment énervé. Si c'était vraiment pour le coup de poing, j'allais vraiment te battre. Mais parmi les gens qui disent ça, toi aussi tu es sorcier. Mais moi vraiment, si je te vois que tu n'es pas normal, en tout cas je te dirai même dans la journée, ils ont comploté. Et si je prends juste un traitement à quiconque, je devais mourir. Et comme j'avais une mission, et cette mission n'était pas encore finie, je ne pourrais pas mourir. C'est pour cela que je suis venu te dire, n'importe quel pôle présent ici, avec toutes les Paulines dans cette salle, la mort ne va pas t'atteindre. Parce que toi et ta famille, vous entrerez. La couronne de la gloire est dans cette salle. 17, j'ai dit. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Le Seigneur va visiter son peuple. Mets le main, élevons nos mains. Si nous souvons seulement les chantres, je fais exprès pour l'air dur que le temps a sonné de prier. On va prier tous. Élevons nos mains. Tu as entendu que je viens de prêcher. Qu'est-ce que tu viens de comprendre dans cette prédication? Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Rends grâce à Dieu. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Dis merci à Dieu. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève le maître de toutes choses. Élève la voix, commence à prier. Je ne sais pas quel est le complot qu'on est en train de faire pour toi. Tu commences à taper les mains. Tu commences à te s'élever contre tous les complots. Toutes les personnes qui font le complot contre ta vie. Toutes les personnes qui cherchent ta vie. Toutes les personnes qui cherchent la vie de quel que soit ton père, quelle que soit ta mère. Prie que le feu de
l'Éternel est consumé. Que le feu de l'Éternel est consumé. Tape les mains. Tape les mains là où tu es. Tape les mains là où tu es. Tape les mains là où tu es. Qui a formé des complots contre toi? Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains. Tape les mains. Soulève l'épée de l'Éternel. Pour se couper toutes les personnes. Ézéchiel chapitre 6. Le verset 11 de la Bible dit. Le fils de l'homme. Tape les mains. Tape les cuisses. Pour que tes adversaires. Qui sont loin. Pour qu'ils puissent tomber. Pour qu'ils puissent tomber. Pour qu'ils puissent être renversés. Ceux qui sont proches. Que l'épée le renverse. Que l'épée le renverse. Que l'épée le renverse. Que l'épée le renverse. Tape les mains, tape les cuisses. Que l'épée renverse. Que l'épée de Dieu. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Tape les mains, prie. Invoque le feu de Dieu. La Bible dit. Le Dieu des cieux. Isaac. Son jugement par le feu. Invoque le feu. Que ça consume. Que ça consume. Tout piège. Qu'on a mis devant ton chemin. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Que ça consume. Tout piège. Que ça soit consumé. Que ça soit consumé. Que ça soit consumé. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Par 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 le feu de Dieu. Le feu moto. Le feu. Fire. Moto. Fire. Le feu. Le feu. Le feu. Toutes les chaînes que tu as prêtes que ça se. T'es l'esprit de mort. C'est sûr quand t'es l'esprit de mort. Dans ta famille. Dans ta maison. La vie de tes enfants. La vie de ta femme. La vie de ton mari. De tes frères et sœurs. Lève-toi. Contre l'esprit de mort. Que tout filet qui vous retenait captif. Que ça soit consumé. Par le feu de Dieu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Sambela, sambela, sambela. Prie, 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 prie. Merci. 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 Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci, j'aimerais prier pour toi. Écoute, écoute. S'il te plaît, écoute-moi, j'aimerais prier pour toi. Merci. Dieu des cieux. Dieu des cieux. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier ici. Et dire merci pour tout ce qui a été dit en ces lieux. Je crois fermement, Père, que cela a été une bénédiction pour nous. C'est pourquoi j'en profite pour lever ma main droite, accompagnée de l'onction de ton serviteur. Et de cette parole merveilleuse que nous avons entendue. Que tout complot du monde satanique, que tout complot des hommes ou des esprits régnant sur la terre, dans les airs ou même sous les eaux, éternel Père, que cela soit anéanti et neutralisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père très saint, que tout complot où notre nom était cité, complot où notre sang pouvait crier, tout complot où nos actes pouvaient jouer en notre défaveur, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth crie pour nous.
qu'il puisse mettre fin à tout complot dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint, préserve-nous à cause de l'alliance que tu as tissée avec ton serviteur, notre père Jean-Paul Mayata. Ainsi nous avons prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le grand vainqueur de Golgotha. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très très fort? Fais-le bien, fais-le bien. Tu peux prendre place, merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le missionnaire, le jeune lion, évangéliste Nko aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Que Dieu te bénisse, merci. Il a été un grand canal de bénédiction pour nous ce soir. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, tu balances juste la main. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tout complot est nul.